A l'ère du numérique, quels sont les outils que vous mettriez en avant comme efficaces pour mener des activités collaboratives Tout d'abord, je souhaite faire deux remarques préalables. Même si un outil s'avère pertinent pour réaliser du travail collaboratif, comme un Google Docs partagé, ce n'est pas parce qu'il est potentiellement une aide à la collaboration qu'il sera bien utilisé. Il est en effet possible de travailler seul dans un Google Docs ou d'y écrire chacun un chapitre sans contribuer en rien à une élaboration à plusieurs mains. La réelle activité d'écriture collaborative implique la relecture du texte d'autrui, l'ajustement de ce texte en le corrigeant, en le complétant, en reformulant, des bouts de phrase. Au terme de l'écriture, il devient presque impossible de déterminer qui a précisément écrit quelle partie, tant chacun sera intervenu dans le travail de l'autre. Si chacun écrit sa partie sans contribuer à la part de l'autre, la démarche sera considérée comme coopérative plus que collaborative. Donc, l'outil ne fait pas la fonction. Exactement. Ce qui importe, c'est l'usage qui est fait de l'outil et non pas l'outil en lui-même. Deuxième remarque, le fil conducteur est la pédagogie, le respect de l'alignement pédagogique. La question qui doit se poser concernant les outils sera presque toujours, sont-ils des moyens appropriés pour atteindre les objectifs Ils ne sont pas à confondre avec les moyens et les buts. Les outils sont clairement les moyens au profit d'objectifs pédagogiques. Et il est essentiel de déterminer les tâches qui vont nécessiter de collaborer et de définir des activités qui exigent la concertation, la prise de connaissance de la vie de l'autre, la construction commune. Par exemple, en proposant d'abord de demander à chaque apprenant individuellement de lire un texte ou de voir une capsule vidéo et d'en retirer deux enseignements. Ensuite, la tâche collaborative sera de synthétiser les avis des membres du groupe, de déterminer ce qui différencie ou réunit les, produ les productions de chacun, d'en faire une synthèse. Là, il y a une réelle nécessité de collaborer à une tâche commune. Venons-en donc aux outils. Nous n'avons pas voulu faire un panorama complet d'outils qui, demain, seront dépassés ou remplacés. Notre objectif est plus de proposer un cadre, un modèle pour comprendre dans quelles conditions collaboratives un outil peut s'avérer adéquat. Il y a donc deux axes. Oui, c'est cela. Un axe horizontal qui permet de spécifier si l'activité se déroule de manière synchrone ou asynchrone. Les apprenants ne sont pas présents de manière simultanée ou de manière synchrone, les apprenants sont présents au même moment des outils comme le mail ou le forum de discussion sont plutôt du côté asynchrone au contraire d'outils comme Messenger sur Facebook ou de type Skype lorsqu'on utilise des options vidéo. Ensuite, il y a l'axe vertical qui distingue le niveau de présence ou de distance. Pour utiliser un tableau interactif, il faut être en présence alors que un wiki peut être complété à distance. De plus, nous avons distingué les outils selon trois fonctions plutôt de l'organisation comme doodle pour fixer des réunions de la production comme lorsqu'on écrit dans un bloc ou encore de la communication avec des outils d'échange simultanés. l'idée de ce modèle est de se poser la question des contextes d'usage de ces outils pour qu'ils soient appropriés à la démarche pédagogique ciblée. comment aider un enseignant à mettre en place une séquence collaborative? Pierre Dillambourg a développé un outil intitulé Orchestration Graphs, permettant de visualiser un scénario collaboratif en mettant en évidence, d'une part, les types d'activités individuelles, collaboratives ou avec le groupe plénier, et d'autre part les liens entre celles-ci. Pouvez-vous nous décrire des scénarios à partir de ce mode de représentation Un scénario relativement simple à mettre en œuvre est celui de l'arche. Il montre que l'enseignant peut solliciter différents modes de raisonnement au cours d'une même séquence d'apprentissage. Après une introduction du sujet, il invite les élèves à rechercher des exemples par rapport au concept traité. On est là dans une approche analogique. La formalisation d'une règle à partir de ces différents exemples partagés est mise en œuvre au sein de chaque groupe collaboratif. On non, la phase avec le groupe complet qui consiste à comparer les différentes règles formulées et permet d'initier une tâche déductive, individuelle, où les élèves utilisent dans une autre situation la règle formulée. Un autre scénario que nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de mettre en œuvre est le débat d'opinion, mis au point par Pierre Guillembourg. Nous allons le décrire en nous appuyant sur l'explication qu'il nous donne dans un article paru dans la revue Éducation et Formation en 2007. Ce scénario démarre par un simple questionnaire à choix multiples, élaboré par l'enseignant, idéalement sur un support informatique. Les questions n'ont pas de réponse correcte ou fausse, mais les réponses reflètent les opinions qu'ont les étudiants sur le thème du cours. Dans la phase 2, l'enseignant forme alors des paires d'étudiants dont les avis sont plutôt contrastés. Dans la phase 3, les paires ainsi formés doivent répondre au même questionnaire que dans la première phase, mais en se mettant d'accord sur une réponse unique. Pour chaque question, le système informatique, un formulaire sur Google par exemple, où l'enseignant récolte les réponses et les arguments donnés par chaque paire. Dans la phase 4, l'enseignant demande aux étudiants de commenter leurs réponses et leurs arguments. Les arguments fournis par les étudiants comprennent grosso modo l'ensemble des concepts que l'enseignant aborderait dans son cours au préalable. Le rôle de l'enseignant alors est d'organiser ces concepts en théorie, de les mettre en relation, de fournir des définitions précises, de reformuler les choses, bref, d'introduire une certaine structure dans les connaissances produites par les étudiants au cours de l'argumentation. Et enfin, dans la phase 5, chaque étudiant écrit une synthèse des arguments produits pour une des questions abordées. Un troisième scénario qu'il nous semble utile de mettre en avant est le scénario mis au point par Éric Mazure. Montre l'intérêt de tenir compte de l'activité individuelle pour décider d'une activité collaborative. En analysant les réponses fournies par des boîtiers de vote, comme ouklap, l'enseignant décide si l'activité collaborative a du sens. si le degré de maîtrise d'un concept évalué par une question est inférieur à 30%, il est utile de proposer une explication différente de cette notion. s'il est compris entre 30 et 70%, cela signifie que les apprenants maîtrisent le sujet et d'autres ont besoin d'aide. dans ce cas, il est intéressant de confronter les avis et d'amener les élèves à se mettre d'accord sur une réponse. Enfin, si le score est supérieur à 70%, l'intérêt d'une nouvelle explication ou d'un échange est réduit. L'enseignant peut alors donner un feedback et poursuivre la découverte avec les apprenants du contenu du cours. Quelle est la spécificité de ce scénario-ci Aux dimensions de la représentation... De Pierre Dillambourg, nous avons intégré le fait que certaines activités aient lieu à distance ou en présence, ce qui convient bien à la manière dont on modélise aujourd'hui les activités de classe inversée. Et donc, en termes de conclusion, que diriez-vous Vous choisiriez Wikipédia ou Uber Je crois en l'intelligence collective. Je crois qu'il faut défendre le partage des connaissances et inciter à la contribution de tout un chacun à la vie de tous. Je pense aussi que certaines pratiques innovantes permettent de transformer, de questionner l'existant pour améliorer le quotidien. Et là, je pense que des dispositifs d'ubérisation ont un pouvoir de créer le changement, mais pas forcément à n'importe quel prix, car derrière Uber et beaucoup d'autres sociétés, qui fonctionne sur une modalité proche de celle-là, il y a des intérêts économiques. Uber génère des sommes importantes d'argent et pas prioritairement pour les pseudo-chauffeurs qui l'engagent. Qui plus est, toute une profession doit être amenée à réfléchir à comment réguler une profession ensemble, en concertation. Et pas les uns contre les autres, ce qui va à l'encontre de ce concept d'intelligence collective. Donc Uber, oui, pour son pouvoir de mobilisation, mais Wikipédia, certainement pour le produit qu'il arrive à générer via le processus de construction commune qu'il a adopté depuis longtemps. En termes de perspective, il faut aussi revenir sans doute aux théories de l'apprentissage et plus particulièrement à celle de Vygotsky, qui a quand même mis en avant cette idée d'une appropriation du savoir plus approfondie lorsqu'elle est réalisée de manière collaborative plutôt qu'individuellement. Le contact social avec les pères et l'enseignant, les parents, l'environnement, a un effet non négligeable qui augmente la qualité de l'apprentissage. Bien entendu, les évolutions technologiques nous amènent à reconsidérer ce modèle et de l'amplifier par des visions plus connectivistes récemment mises en évidence dans lesquelles la prise en compte des liens entre les individus et les idées sont multipliées, tant dans la vitesse à laquelle ils sont... Que dans la quantité d'informations accessibles. Le problème n'est plus l'accès à l'information, la mais le traitement de l'information. Identifier les sources adéquates, créer des ponts entre des idées et des ressources, synthétiser les apports multiples. Pour conclure, par une citation bien belge L'union fait la force, j'y crois aujourd'hui, plus qu'hier encore.